j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je vais vous emmener en vlog pour tout le week-end. Nous partons au Mont-Saint-Michel avec Mathias. La valise, comme vous voyez, ou pas, est prête. Vous n'avez pas dû voir grand-chose, mais de toute façon, je compte vous tourner une ou deux vidéos là-bas, dont ce vlog. Tout d'abord, je voulais vous dire, vous inquiétez pas, vous ne verrez pas de vidéo solde sur ma chaîne pour le mois de janvier, puisqu'il m'est arrivé que des catastrophes depuis le 1er janvier. Vivement que ce mois de janvier se passe. Déjà notre première voiture, énormément de travaux à faire dessus, du coup financièrement on n'a pas pu tout faire, donc c'est pas possible. Et en plus j'ai eu un bon accrochage avec la voiture à Mathias, qui est une BM et qui coûte aussi la peau des fesses. En plus je suis en tort, donc j'ai une franchise. Donc comment vous dire que cette semaine, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo, parce que j'avais pas du tout le moral, j'avais pas du tout envie de filmer. Vous voyez derrière mon linge qui sèche. Donc voilà pourquoi, mais je tiens quand même à vous emmener avec nous ce week-end, parce que je pense que ça va être très 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 joli, puisque nous sommes dans les jours de très grande marée. Donc quand on va arriver sur Mont-Saint-Michel, à partir de ce soir, on sera entouré d'eau, en fait on sera sur une île quoi. Donc je pense que ce sera très joli, j'espère pouvoir vous mettre beaucoup beaucoup de vidéos, et pourquoi pas des photos. En tout cas je vous emmène, je pense qu'on va se retrouver sur la route, puisqu'on a deux petites heures de route à peine je pense. Et on a un hôtel là-bas qui a l'air magnifique. Les chambres sont juste trop trop belles. En tout cas, à ce qu'on a vu, sont vraiment très très jolies. Donc voilà, là je finis de me préparer. Je vais vite fait aller acheter quelques petits trucs. Vous voyez le bordel. Et après on va partir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure pour vous dans 2 secondes. Là on est un petit peu allongé. Juste avant, je pense que vous aurez vu le room tour de la chambre. Elle est vraiment très très jolie, un peu à l'ancienne mais très très jolie. Je suis complètement décoiffée parce qu'il y a vachement de vent. Je sais pas si vous avez entendu, on est le 13, vendredi 13 janvier, et il y a eu une petite tempête hier, du coup ça continue un peu aujourd'hui. Bref, elle est vraiment vraiment jolie, on aime beaucoup notre cadeau de Noël. Là on va se reposer un peu, ensuite on va redescendre en bas. Il y a énormément de marches pour redescendre et surtout remonter, ça tue. Et après on ira manger et ensuite on ira voir la montée de l'eau, puisqu'en fait on est là parce qu'aujourd'hui c'est les grandes marées et le Mont-Saint-Michel va être entouré d'eau depuis qu'ils ont fait des travaux il y a quelques années. Maintenant dès que la marée monte, on peut plus du tout accéder ailleurs que on peut plus sortir du Mont-Saint-Michel, ou on peut plus y rentrer si on est à l'extérieur. Donc ça va être vraiment très très joli. Sinon tantôt on a vraiment fait tout le tour. J'ai dû vous faire voir quelques passages mais j'avais plus de batterie. Mathias a fait quelques vidéos, du coup il va me les envoyer. Je vais vous les mettre dans le vlog. Donc voilà. En tout cas ça vaut vraiment le coup. La chambre, je sais que mes beaux-parents ont eu ça sur vente privée, donc ça vaut vraiment le coup. Sinon la nuit dans la chambre où on est, elle coûte 250 euros quand même. Donc si vous voulez venir, regardez plutôt avec vente privée, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on se retrouve tout à l'heure, je vous fais des bisous et d'ici là, à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, notre première nuit au Mont-Saint-Michel est terminée. Je voulais vous faire le room tour. J'ai complètement zappé de vous le montrer. Vous voyez Mathias derrière moi.
Il voulait pas être sur la vidéo, tant pis pour lui. Donc, je vous montre ça tout de suite. Là, vous voyez, je suis juste dans l'entrée. Là, c'est la porte d'entrée. Donc, je vous montre ça pour la visite. Alors, juste ici, vous avez les toilettes. Je vous les montre parce qu'elles sont jolies quand même. Bon, c'est pas les couleurs que moi j'aime. Bleu, j'aime pas du tout le bleu, mais bon. C'est très joli, mais elles sont hyper étroites. Et du coup, comme je suis claustro, c'est un peu compliqué. Ensuite, là, vous avez la salle de bain. Et en fait, c'est une porte coulissante. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est un gain de place, les portes coulissantes. Là, la salle de bain avec deux gros pommeaux de douche. Il y a même des produits, vous voyez, c'est des produits Yves Rocher. C'est pas du tout les nôtres, hein, c'est ceux de l'hôtel. Avec une baignoire qui n'est pas hyper grande, mais c'est une baignoire plutôt pas mal quand même. C'est assez ancien en fait, même les robinetteries tout ça font style ancien. Moi j'aime beaucoup. Vous avez le miroir, donc je sais pas pourquoi il s'est mis en flash, mais je suis là. Vous avez même un petit miroir grossissant, le sèche-cheveux, un sèche-serviette qui est plutôt pas mal pour réchauffer les vêtements. Là, vous avez un autre miroir. Et là, vous voyez, en fait, c'est la porte d'entrée. Ensuite, on se dirige par là. Vous voyez Mathias. Hop. Là, il y a quelques petites marches. Donc, il y a deux lits, en fait, collés pour faire un seul lit double. C'est pas mal. C'est le bordel. Hein. Moi, je vous fais pas le room tour de la youtubeuse de ouf à New York. Hein. C'est au Mont-Saint-Michel, quoi. Donc, on a un petit plateau de courtoisie, c'est plutôt sympa, avec du café, du thé, du sucre, des tasses. On a même des petits verres à pied, je trouve ça sympa. Là, c'est la carte en fait électronique pour rentrer dans la chambre. Et là, c'était le code Wi-Fi pour avoir la Wi-Fi. Là, c'est mon bordel. Là, c'est mon bordel. Là, on avait pris des petites sucreries pour nous quatre, puisque vous savez, je suis avec la sœur à Mathias et la mamie à Mathias. Là, ce sont des fenêtres, et je sais pas si vous allez réussir à voir, ce sont des vieux volets, en fait, qui se ferment de l'intérieur, et je trouve ça mignon, c'est pas mal. Et ça cache vachement bien du soleil le matin, parce qu'on était vraiment dans le noir, alors que le soleil était bien levé. Donc, là, c'est Mathias. Là-bas, il y a encore un volet, mais qu'on n'a pas ouvert. Et voilà comment... je trouve que c'est plutôt pas mal comme chambre. Et je vous montre vite fait, comme ça, si on arrive à voir la vue... de la terrasse. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Moi qui suis fumeuse, sincèrement, avoir une terrasse, c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le petit déjeuner. On part se préparer et on vous dit à tout à l'heure. Les carreaux, vous voyez, sont pas du tout lavés. Oh, c'est une catastrophe le vlog chez moi. Voilà la vue du matin qu'on a devant notre chambre. Je vais vous mettre des images après, vous verrez mieux. Parce que là, en fait, on est en contre-jour. Regardez pas ma tête, hein. J'ai une sale tronche.